Notre arrivée en Hollande, la neige à Leyden. Depuis l'hôtel Ibis de Leyden. Un désastre météorologique. Amsterdam, le musée Van Gogh. Le Rijksmuseum. Concertgebouw. La salle des concerts. Amsterdam sous la pluie. Le Rijksmuseum. Quartier de l'université. Centre commercial d'Amsterdam. Tour de la Mintoren. Thank you.
pèlerinage d'Amsterdam. Promenade sur les canaux d'Amsterdam. Ça fait froid. Dames en heren, mag u allemaal hartelijk welkom heten aan boord. Hier aan mijn rechterzijde zit Rien, is uw kapitein en mijn naam is Eline. En ik zou zeggen, maar een hartelijk welkom aan boord. Ik heb een aantal bekend een verklaring op Deutsch bekommen möchten. Kein Deutsch? Ja doch? Deutsch? Ja? Guten Tag. Mijn naam. Diese Rundfahrt durch die Karten auf den Hafen der Stadt, die ungefähr eine Stunde dauert. Ich wünsche Ihnen eine sehr schöne Rundfahrt. Bonjour mesdames et messieurs, il y a de francophones à bord, je pense que oui.
Bonjour, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à bord. Votre capitaine s'appelle Rinus et moi, je m'appelle Eileen et je serai votre guide pendant cette visite à travers les canaux et le port d'Amsterdam qui va durer environ une heure. Bienvenue à bord. Varen hier op de rivier de Amstel. En de rivier de Amstel is de enige natuurlijke waterweg in Amsterdam. Dat wil zeggen dat de grachten bijna allemaal zijn uitgegraven met de hand. At this moment we are leaving the medieval town of Amsterdam and right now we are sailing on the Amstel River. This Amstel River is the only natural waterway in Amsterdam, which means that the other canals have almost all been dug out by hand. Jetzt verlassen wir die mittelalterliche Stadt und hier befinden wir uns auf die Amstelfluss. Und die Amstelfluss ist der einzige natürliche Wasserweg der Stadt, weil die Garten sind fast alle Bois de Notre-Dame in Amsterdam. Les canaux ont été tous creusés à la main. Donc ici, le fleuve Amstel, c'est la seule Bois de Notre-Dame in Amsterdam. Het rode gebouw. En dit ronde gedeelte daarachter is het opera gebouw met plaatsen voor zo'n 1600 personen. The big modern building on the left hand side is the Stopera and the Stopera is a combination. Op de linkerzijde der Stopera, een combinatie van onze nieuwe raadhuis, het rode gebouw. En op deze ronde teil is het operenhuis die plekken voor ongeveer 1600 personen. Le grand bâtiment sur notre gauche est le Stopera, une combinaison de l'hôtel de ville et le théâtre de musique et l'opéra avec une capacité de 1600 places. Le Stopera. Die we hier dan recht voor ons zien over de rivier de Amstel is de beroemdste brug in Amsterdam, de Magere Brug, een houten ophaalbrug uit de 17e eeuw. In front of us we're crossing the Amstel River, the most famous bridge in Amsterdam, the skinny bridge, a wooden drawbridge from the 17th century. Und hier voor ons zien we de bekannteste brug der stad, die Magere Brug, een hulp in de Hevenbrug op de 17e jahrhundert. Le pont le plus de l'Amsterdam, le pont Nègre et le pont Nègre est un pont le vif tout en bois du 17e siècle. Notre gauche unification, le pont de l'Ordre de Justice. We op de Herengracht. En de Herengracht is de eerste van de drie hoofdgrachten in Amsterdam. De andere twee zijn de Keizersgracht, die hier links naast zit, en daarnaast de Prinsengracht. Dus drie hoofdgrachten, alle drie uitgegraven met de hand in de 17e eeuw voor het transport van de goederen, voor de uitbreiding van de stad, maar ook voor de verdediging van Amsterdam. De grachten in Amsterdam hebben allemaal zoetwater, dat komt uit het IJsselmeer en ze hebben een diepte van zo'n Prinskanaal en de Prinsenkanaal. De Prinsenkanaal, all three hebben verlassen via die Amsterplus, en hier bevinden we ons op die Herrengracht. Want die Herrengracht is de eerste van drie hoofdgrachten der stad. De andere twee zijn die Keizersgracht en die Prinsengracht. Zo drie hoofdgrachten kunstig aangelegd en met de handen uitgegraven. Die krachten in Amsterdam hebben alle zilverwater en zijn ongeveer 3 meter tief. Nous avons sauté le fleuve Amstel et on se rencontre sur le canal de Saint-Germain. Le canal de Saint-Germain est le premier des trois canaux principaux d'Amsterdam. Il y a également le fils avec le canal de l'intérieur et le canal de France, comme trois canaux principaux, creusés à la main au XVIIe siècle pour le transport des marchandises, pour l'expansion de la ville, également pour la défense d'Amsterdam.
Les canaux Amsterdam sont remplis de l'eau douce parce que l'eau vient d'un lac, le lac Aïssel, et ces canaux ont une profondeur de environ 3 mètres. With 7 bridges filled in a row. Auf Ihre linke Seite hier eines der schönsten Karten der Stadt, die Reguliersgracht mit 7 Brücken gebaut in einer Linie. Sur votre gauche, le canal de Régulier avec 7 ponts. Neptunus schot van de zee en Triton zijn zoon en daarnaast Bacchus schot van de Rijn. On Neptune rooms on top of the houses for examples of neck gables with Neptune god of the sea. Hier linksonder in alle ogenblik open op den horizon vier bijspelen van Halsgiebel met Neptune god des Meeres. Dat is dus ook een klok gable. This neck gable is one of the three main gables and the other is Kloppen gables. Ce pignon à cou est un des trois pignons principaux. Il y a nowadays the old banks, offices, consulates, and so on. Jetzt befinden wir uns in der kommenden Kurve des Herrengracht, reichen Teil der Stadt, und in dieser kommenden Kurve sehen wir sehr schöne Beispiele von ehemaligen Patrizier- und Kaufmannshäusern aus dem 17. und auch 18. Jahrhundert. Diese ehemaligen Kaufmannshäuser sind früher wirklich ein Familienhäuser gewesen, aber heute cette courbe d'eau est vraiment la partie la plus riche d'Amsterdam. Dans cette courbe d'eau, on voit beaucoup d'exemples de vos anciennes maisons patriciennes et commerçantes du 17e et 18e siècle. Ces vieilles maisons patriciennes ont été presque construites autrefois pour seulement une famille, mais de nos jours une famille. On paye ici dans cette courbe d'eau 4000 florins par semaine par étage. Mais le dame jean in deze gouden bocht 4000 gulden per week per étage. In this golden bench, you pay about 4000 guilders per floor per week. Van het zaad is in deze golden kerve 4000 gulden per week per stokwerk. Na de volgende bocht in de rechterhandse directie zien we de Beulingsloop, het grootste en smalste gracht in Amsterdam waar de huizen recht in het water gebouwd zijn, zoals de huizen in Venetië, Italië. On right in a moment, behind the following bench, you will see the Beulingsloot Canal, the shortest and narrowest canal in Amsterdam, where the house is constructed directly into the water like the houses in, for example, Venice, Italy. In einem Augenblick rechts sehen wir die Beulinggraben, flüsternd auch engste Kraft der Stadt mit die Häuser, Kracht in Klasse gebaut wie die Häuser in Venedig, Italien. Dans un instant sur votre droite, vous verrez le canal Beulingsloot avec les maisons construites directement dans l'eau, comme les maisons au Venus d'Italie. Ici à droite, mirez on the right. Vanmorgen befinden wir einem roten Tower mit einem deutlich zu erkennenden Treppengiebel. La maison rouge sur votre droite, un pignon en escalier et un pignon à raison. Ici à droite, hier rechts, on the right. L'entrepôt le plus étroit d'Amsterdam, ici à droite, ici rechts, en French.
maison de la Fruitland d'Amsterdam, c'est la maison de Bach aujourd'hui, construite au XVIIe siècle dans la cour du Salon du Seigneur. À la linke hand, à la left hand side, à la linke side, sur votre gauche. De linkerhand zullen we zien de Lelygracht, een verbindingsgracht op de Lys, en vanuit de liaison entre ces trois canaux principaux. On the left-hand side on top, some examples of frame gables, like a frame of a painting. Und hier links oben auf den Wäldern einige Beispiele von Rahmengeben. Wie soll der Rahmen eigentlich gemeldet? Votre gauche à nouveau, des exemples des pignons à cadre, comme les cadres d'un tableau. Zien we hier in het deel van Herengracht enkele voorbeelden van de 4000 woonboten die we hier in Amsterdam hebben. De eigenaren van deze woonboten moeten havengeld betalen. Waar 4000 houseboats that we have here in Amsterdam. 4000 houseboats. The owners of those houseboats, they have 150,000 guilders, often even more. Hier enkele bijspelen van die 4000 houseboats die Amsterdam hier atmosfeer geven. De eigenaar van deze houseboten koopt entre de 50 en 150 florins. Le plus souvent, un peu plus. En dan varen we nu van de Herengracht de Brouwersgracht op. En de Brouwersgracht was vroeger het centrum van de Amsterdamse bierhandel. Er waren hier vroeger zo'n 24 bierbrouwerijen. And as moment we are leaving the Gentleman's Canal, and right now we are sailing on the Brewers Canal, which used to be the center of the Amsterdam beer trade. In the early days, there were about 24 beer breweries here in this area. Yes, verrassen wir die Herengracht, und hier befinden wir uns, qui était le centre du commerce de la bière autrefois. Il y a fait environ 24 brasseries de bière dans cette partie de la ville. We varen dan hier door de Haarlemmersluis, hier links. De houten deuren van de Haarlemmersluis. De zeesluis in Amsterdam die we nog steeds gebruiken bij het verversen van het grachtenwater. At this moment we are sailing the JV. Elle fonctionne toujours pour régulariser le niveau d'eau dans les canaux, également quand on régénère l'eau des canaux, on fait ça environ 4 à 5 fois par semaine. Zijde begint het Noordzeekanaal, die deze haven met de Noordzee verbindt en die een lengte heeft van zo'n 24 kilometer. Deze havenklok zorgt alle grachten in Amsterdam nog steeds zoet water en is ongeveer 15 meter diep. At this moment, we are leaving the central of Amsterdam and right now we are sailing in the main harbor. This harbor is called Vermeer. Deze haven had ook weer alle grachten in Amsterdam even nog zoet water, zo is ongeveer 15 meter diep. Nous avons quitté le fleuve Amsterdam, pardon, nous avons quitté le centre-ville et en ce moment nous venons sur le port d'Amsterdam, le port Eind. Ce port est le deuxième port des Pays-Bas parce que le premier port, le plus important et le port le plus grand est toujours le port de Rotterdam. Sur votre gauche commence le canal de l'eau d'environ 24 km. Ce port est rempli de l'eau douce et ce port... La gare centrale. Le port d'Amsterdam.
big blue building on the right hand side is the new Metropolis new science and technology center called New Metropolis. As you can see, it was built in the shape of a ship on the entrance of the A tunnel, which lies right now 20 meters below us in this harbor. The architecture in Paris and also the Potsdamer Square in Berlin in Germany. The roof is about 30 meters high, so here on the right hand side, New Metropolis. Of course, the current gebouwen hier is dat nummer vrijwilligers in een werklozen project. On the left hand side, the Amsterdam, it is a replica of a vessel from the former United East. Een nagebouwd model van een schiphol van de eermalige Oost-India-compagnie. Devant nous, on voit l'Amsterdam. Cet navire est un modèle de la compagnie des Indes orientales qui a collé devant la côte d'Angleterre en son premier. Together with the Maritime Museum on the left hand side. Ze kunnen de Amsterdam achterzoeken met een schipmodel dat groot geworden is. Er is hier plaats voor zo'n 700 personen, maar hoe hoger je zit, des te meer moeten betalen voor hetzelfde eten. Denk daar eens aan. On the right hand side in a moment, the Sea Palace, a floating Chinese restaurant. About 700 people on three floors, but you're not forgetting because the higher you sit here, the more you will have to pay for your same food. So the higher you sit, the more expensive it all gets. Und hier ein schönes griechisches Restaurant, der Sea Palace, eine kleine Kopie. Von einem sehr bekannten Restaurant in Hongkong, das Jumbo heißt. Je höher man hier sitzt, wie mehr man bezahlen muss für dasselbe Essen. So tritt heute Restaurant chinois flottant, le Sea Palace. L'immigration de restaurant à Hong Kong, le Jumbo, il a des places sur Sea Palace pour environ 700 personnes sur 3 étages. Mais ne l'oubliez pas parce que le plus on monte, le plus on pêche. Dans l'ex-Forensin, c'est le Montauban Store. Een oude verdedigingstoren uit de 16e eeuw, waarop men pas 100 jaar later de spits heeft gebouwd, gewoon puur voor de versiering ervan. The tower on the right up front is the Montauban Tower. It's a former defense tower from the 16th century. In the 17th century, they have added the spire on top of it, just for the decoration of it. Dit hem hier rechts is voor de versiering. La tour ici à droite est la tour de Montauban, une ancienne tour de défense du 16e siècle. 100 ans après, on a construit de la flèche sur cette tour seulement pour la décoration. Et de nos jours, c'est l'office municipal des eaux. Donc ici à droite, la tour de Montauban. The Montauban Tower. The Montauban Tower. Montauban Tower. Oude Hans. Houses. Op je linkerzijde hier enige bijspelen van zeer verzonken. Op de gauche, de maison AVC avec les pilotis en bois en très, très mauvaise condition. À gauche, les maisons dansantes. Oui, j'ai vu. En dessous du niveau de l'eau, il est trop auteur à monsieur Thierry Heineken de la bière. Light the plane. Delft, la nouvelle église.
Restauration du cœur, mausolée de Guillaume le Taciturne. D'Orange 1619. La religion. Le mausolée de Guillaume le Taciturne. L'hôtel de ville. Delft, sous la pluie. La place du marché, le monument de Grotius, père du droit des gens. La nouvelle église, Nieuwkerk. L'hôtel de ville de Delft. Canot de Delft. La promenade sur les canaux de Delft. La vieille église. Conseil des eaux de la ville de Delft.
porcelaine de Delphes. Façade de l'hôtel de ville. Thank you.
Muscari Armeniacum. Thank you.
Mais qu'une bonne pluie venir. Thank you.
Les serres. Thank you.
lui faire une tonsure. Oh là, je sais pas. Les champs de fleurs. Mon avis, c'est du calme. Pavillon de la reine Béatrix, exposition de Rose. Tu connais ces plantes? Plantes carnivores.
de l'Escaut oriental. Barrage construit après les inondations de 1953. Wiedelbourg, l'hôtel de ville, le Beffroi. Vingt-quatre lucarnes. La place du marché. Les comtes et les comtesses de Zélande. L'abbaye. Pays de Wiedelbourg.
traversée de l'Escaut occidental. Le moulin de Schloïs, l'écluse. Flandre néerlandaise. L'écluse.